Et bonjour tout le monde, c'est Rix Project et on se retrouve pour la suite d'Horizon Zero Dawn. On va aller retrouver Erend qui nous attend loin. Je n'ai pas encore retrouvé toute ma santé. Donc là, va falloir que je fasse attention. Et que je récupère de la bouffe, enfin de la santé, des coups de santé. Balance. On court. Ouf! Allez, du nerf! À la fin. Alors, faut que j'aille par là. On est à 100% de santé. On va y arriver de nuit, génial. C'est Eren. Il a des problèmes. Pas cette flèche là que vous voulez. Que ce soit réglé. Merci pour ton aide. Viens discuter un peu avec moi. Tu dors là, je récupère le matos, moi, et... Charognard avant tout. Allez, qu'est-ce que t'attends? Non mais c'est bon, hein, et oh, il va se calmer, là. Je dois me préparer. On n'est pas aux pièces. Quoi? À me parler. Mais si... Mais si je veux te parler à Renchou, à Choupinou... Mais là, allez, comment... c'est sérieux, il faut qu'on parle. Ok, là. J'arrive. Fermez, je vais juste... Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais ici, tout seul? Où sont tes hommes? Je refuse de les mettre en danger. Je n'hésite pas à risquer ma misérable peau, mais pas la leur. Désolé de t'avoir impliqué là-dedans. Oh, ne t'en fais pas. C'est une journée normale pour moi. Tu sais, éliminer des machines, traquer des tueurs... Ouais, ton emploi du temps m'effraie. T'es prête à commencer? Tu es sûr que ça va aller? Eh bien, je suis sobre, donc... non. Au moins, maintenant, tu as les idées claires. Ne t'habitue pas. Dis-moi exactement ce qui est arrivé à Ersa, depuis le début. On ne sait pas vraiment. Elle est partie au beau milieu de la nuit avec quelques soldats d'élite. Des soldats d'élite? Mais elle ne t'a pas emmené? Non, je bois beaucoup trop. Elle a dû croire... Ah, bon sang, je sais pas, que je m'en sortirai pas. Les équipes de recherche ont trouvé leur corps au matin près des cadavres d'une poignée de Karja de l'ombre. Une embuscade. T'aurais été là, je pense. Les Karja de l'ombre sont des brutes. Elle est si défigurée qu'on ne peut même pas montrer son visage avant l'enterrement. T'es sûr que c'est ta sœur? Je suis navré, Eren. Ouais, bon. Quand je trouverai ceux qui ont fait ça, ils seront navrés aussi. Pourquoi les Karja de l'ombre feraient ça? Parce qu'ils nous détestent. En particulier Ersa.
parce qu'elle s'est alliée à Avad pour les expulser de Méridian. Ça fait 2 ans qu'ils pansaient leurs blessures. Mais ils ont fini par lui faire payer le prix. Bon. Okay. Montre-moi où Ersa est tombée. Je ferai mon possible pour t'aider. Allez, suis-moi. Hop là. Qu'est-ce qui a poussé Ersa à venir jusqu'ici? Je sais pas. Ça n'a aucun sens. Et si, en fait, elle était une Kharja de l'Ombre infiltrée? C'est le territoire des Kharja de l'Ombre? Non, ils ont enfreint le cessez-le-feu à la seconde où ils sont entrés dans la fissure. On y est presque. Sera-t-il allié avec eux? C'est là. C'est ici qu'a eu lieu l'embuscade. Les soldats ont fouillé la zone, mais ton petit appareil magique pourra peut-être trouver quelque chose. Sûrement une armure des Kharja de l'Ombre. S'il te plaît, je dois trouver les ordures qui ont fait ça. Bizarre. Pas une seule rayure. On l'a jeté, quoi. C'est une mise en scène. Ce serait quand même assez fort de tabac, ça, mais on sait jamais. On dirait que quelque chose a été traîné. Quelqu'un aurait déplacé un corps ici. Qu'est-ce que tu vois? Mise en scène. Cette tache forme une ligne. Comme si le sang avait coulé du rebord de quelque chose. Comme un chariot. Tu vois? Des traces de chariot. Je pense que quelqu'un a amené les corps ici, puis les a éparpillés dans la zone. Attends. T'es en train de me dire que les morts auraient été tués ailleurs? Pourquoi les Kharja de l'Ombre feraient ça? Très franchement, je suis pas convaincu que les Kharja de l'Ombre soient responsables. Voilà. Mais bien sûr que si. Bon, suivons ces traces et on verra bien. Et si c'était un... Elle a découvert quelque chose qu'il fallait pas, on l'a buté dans Méridian, et on a amené les corps ici, et on a fait la mise en scène. C'est soit ça, soit en fait elle est de mèche, parce que... Et défigurée, on peut pas la montrer. Donc, c'est un... qui dit que c'est bien le corps de ta sœur. Parce qu'on peut pas vérifier par les empreintes digitales ou autre chose. Donc, on trouve quelqu'un qui a la même corpulence, etc. On met les vêtements et voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, si c'est ça, c'est un peu le... c'est pas bateau, mais c'est un peu standard. C'est un peu standard, mais ça reste intéressant. J'ai curieux de voir où ça va mener tout ça. Ah, du huile, du huile, du huile. Je garde ça pour la route. C'est du jeu, ça. Ok. On les a tués dans un endroit où ils ne devaient pas être, peut-être aussi. Arrivé à suivre? Je vérifie un truc. Ça, oui, ça tombe bien. Ça enregistre. J'avais un doute. J'ai régulièrement des doutes là. Depuis l'autre fois avec le gueule d'orage. Alors. Je comprends pourquoi ils voulaient tuer ça. Mais pourquoi simuler une embuscade? On ne sait pas tout. Il faut qu'on trouve ce qui s'est passé. Parce que si ça tombe, votre roi n'est pas un assoiffé de sang comme l'autre, mais a vu autre, mais est derrière les Kharja de l'Ombre. Et en fait, il désire le pouvoir d'une machine. Du coup, il fait comme si, juste pour que ça l'arrange. Oh là. Gratos. Voilà. Tiens. Laisse-toi. Ce sont pas les Kharja de l'Ombre, mais ceux de ma tribu, les Oseram. Quoi? Alors c'est comme ça qu'on se salue dans ton peuple? Venez les gars! On va lui régler son... Wow!
Qu'est-ce que c'est? Je crois que ça appelle les machines. Prépare-toi. Quoi? Continue à frapper! Des océrames, pas des carjas de l'ombre. Je me suis trompé sur toute la ligne, une fois de plus. S'il te plaît, utilise ta deuxième vision. Je dois savoir ce qui s'est vraiment passé. J'y travaille. Bon. J'ai claqué des ressources pour des trucs qui sont pas super utiles. Le canon, je peux l'utiliser, c'est quand même pratique. Le heal, c'est pas foufou. Les ravageurs, c'est plutôt bourrin, mais ça va. D'ailleurs, y a pire, je pense. Bobby électrique, ok. Bon, allez. Examiner les lieux. C'est quoi ces lanières en cuir? Des sangles d'armure, coupées avec un couteau, et une pierre tachée de sang. Il y a tellement de sang. Beaucoup de gens sont morts ici. Un vrai carnage. Il faut dire qu'avec les machines pour aider, ça va être pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Ces rochers, ils sont brisés. Quelque chose a frappé ces rochers. Quelque chose que je n'ai jamais vu. Eh ben, ça vaut peut-être mieux. On dirait des armes de l'avant-garde. Il n'y a pas de sang dessus.
Les hommes d'Ersa n'ont pas riposté. Ne dites pas que j'ai raison, c'est bien un complot à la con. Elle s'est fait tuer parce que ces hommes m'ont trahi. Quelque chose comme ça. C'est honteux, quoi. C'est ignoble ce qui a été fait ici. D'accord, il n'y a rien comme point d'intérêt. Non. Donc on a ces quatre éléments là. Là au-dessus. Et là-bas. On dirait qu'on peut adapter un accessoire sur ce truc. Là, à côté du trépied. Une batterie utilisée. Wow, ça doit piquer, hein. Clairement falloir que... Eren ? C'est le casque d'Ersa. Je croyais qu'il était mort en bas, mais ça devait être là. Toutes ces ruses. Pourquoi ? C'est rien de plus que de la torture. J'ai une théorie. Mais il faut un peu d'imagination. Jusqu'à présent, tes théories tiennent mieux la route que les faits. Écoute. Je crois que Léo et Ram ont tendu un piège à Ersa avec une nouvelle arme. Ils l'ont fixée sur ce trépied qui est là-bas. Elle tire des ondes de force ou de son. On dirait que ça a brisé ce rocher. Je crois qu'elle paralyse les gens au lieu de les tuer. Elle a figé l'avant-garde ici. Pas de sang sur leurs armes. Pas de combat. Ok, elle va plus loin que moi dans les théories. Pourquoi les paralyser s'ils voulaient juste les abattre plus loin ? Ils essayaient de cacher quelque chose ? Regarde, une pierre ensanglantée. Utilisée pour écraser le visage d'Ersa. Ou de quelqu'un d'autre. Visiblement, ces sangles ont été coupées. Comme s'ils avaient pris l'armure de quelqu'un. Non, c'est impossible. Son corps est exposé publiquement à Méridian, et je l'ai vu. Tu as dit qu'elle était méconnaissable. Ils ont peut-être mis un autre corps dans son armure. Qui avait raison ? De la même corpulence. Et ils l'ont défiguré pour qu'on puisse le prendre pour celui d'Ersa. La question c'est, est-ce qu'elle est méchante ? Regarde à nouveau ce cadavre. Si c'est vraiment Ersa, je me serais trompée. Mais si j'ai raison... C'est qu'elle est en vie. Alors ça veut dire que ma soeur sera en vie ? Bon, j'y vais. Rejoins-moi dès que possible. Qu'elle ait envie, mais qu'elle ait peut-être de mèche. Et c'est ça le bar. C'est ça le truc. C'est ça le truc, t'as pas pris en compte cet élément. Nouvelle quête principale aux frontières, ouais, mais non. Oh, j'ai toujours pas hâte, quoi, me soigner. J'ai toujours pas assez pour me soigner, je deviens ma boule. Trouver Eren au palais du soleil. Ouais, ben, ça sera pas tout de suite, parce que là, on va plutôt aller... Je pense qu'on va plutôt aller se faire... On va aller chercher Olin. Parce qu'il est pas très loin, normalement. Pas très loin, ouais, enfin... Un voyage rapide, parce que flemme. Voilà, c'est vraiment le seul élément en fait dans ce jeu qui manque, je trouve, c'est de pouvoir passer le temps. C'est d'avoir un truc pour passer du matin au soir, du soir au matin. Oula, il y a une boîte là, ça. Oula ! Je l'avais pas vu. Pratique. Ça me casse. Ouais, j'ai pas beaucoup de santé, hein, faut pas exagérer.
Oh, c'est un grand front. Je sais pas ce qu'il y a de pire. Mais pourquoi il vient me chercher? Je t'ai rien fait, je suis juste un gentil... Un gentil requin. Oh, mais j'adore. Ouais. Prêtre fanatique. Je sais pas trop ce que c'était. Bon. Valin, il est par où? Il est par là. Ah! Sur les terres des... Je suis sur les terres des fanatiques, oui. C'est moi, Valin, le traître. Mais... contre mon gré. Ça se gardera. Ah, super, d'huile. Beaucoup d'huile. Trop d'huile. De pièges choc, okay. Y a quelque chose par là. Non, non, y a rien et personne. C'est quoi ce truc là-haut? Checkpoint. Il va aller voir ailleurs si j'y suis pas. Voilà. Par contre, si je meurs ici, je vais dire. Là, on va essayer d'être discret. Oh non. Il va réveiller un corrupteur. C'est ça que vous cherchez à faire. Vous vous efforcez de ramener à la vie ces machines du passé. Leur puissance sera un avantage. Des machines démoniaques sorties tout droit des profondeurs. Mais c'est un cauchemar. Un cauchemar, c'est ça. Les craintes les plus terribles de nos ennemis devenues réalité. Oui, levez-vous. Il y a quand même un truc, c'est comment ils peuvent les contrôler. Oh là. Comment ils peuvent contrôler ces trucs-là? Quelque chose. Il y a... Oh oh. Et moi qui espérais le trouver seul. Ces choses n'hésiteront pas à tous nous tuer. C'est uniquement à nos ennemis qu'ils s'en prendront. Et grâce à eux, nous récupérerons les terres. Ah 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 ah. Mon focus, il ne marche plus. Fouillez toute la zone. Il y a probablement des intrus. Pardonne-moi l'intrusion, Aloy. Mais je n'avais pas le choix. The fuck? Idris Elba? Qui êtes-vous? Un allié concerné. Leurs focus sont désactivés, mais je ne sais pas pour combien de temps. Je te laisse t'occuper du reste. Qui êtes-vous? Ah, c'est... je suis pas dans la merde.
Attendez, vous, vous êtes en train de me dire que je dois me débarrasser de ça? Vous avez vu combien ils sont? Vous avez vu combien ils sont? Vous êtes siphonné du bocal? Comment je peux me débarrasser de ce truc-là? Comment je peux me débarrasser de ça? Lance-grenade et compagnie, je sais ce que ça vaut. Thank you.
passer de câble. C'est sérieux. Pour moi, le point positif, c'est que là... C'est ce qui s'appelle avoir un peu cheaté. Parce que à mon avis les deux là j'ai vraiment j'ai des trucs chouettes. Ah, oh. Je te le jure, je te dirai tout. Je n'en doute pas. Il va se faire buter. Les tueurs qui me poursuivaient à l'éclosion, qui sont-ils ? L'Éclipse, un genre de guerrier sacré, une secte, les Karjas de l'ombre. Les Karjas de l'ombre ? Sauf qu'ils ne sont pas comme les autres Karjas. Ils ne vénèrent pas le soleil, leur divinité est une sorte de démon. Leur superstition ne m'intéresse pas. Oh, ce n'est pas une superstition. Leur démon est réel. Il a un nom, il y a une voix, okay. Une voix terrifiante. Et ils font tout ce qu'il dit. C'est-à-dire que j'ai aussi une IA qui m'aide, alors. Tu dis que ce démon que vénère l'Éclipse a un nom ? Hadès. Il l'appelle comme ça. Hadès. Et tu l'as entendu parler ? Comme un poignard dans mon âme. Une seule fois, quand il t'a vu. Cette voix... Une sorte... De tintements froids et atroces qui raclent les os et vident les entrailles. Un son métallique qui ne ressemble à rien qu'on ait pu déterrer ou encore forger. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Menace système détecté. Trois simples mots. Mais avec la voix d'un démon. Ok, donc c'est bien une IA. Et nous, notre allié, serait-ce une autre IA positive ? Que veulent les membres de cette secte, à part moi ? Je ne sais pas. Mais les Karjas étant en guerre civile, je suppose qu'ils veulent renverser le roi Soleil Avad et reprendre Méridian. Qu'est-ce que je viens faire là-dedans ? Je n'en sais rien. Pendant l'attaque de l'éclosion, un homme m'a suivi. Grand, fort, les yeux vides. Elis. Qui est-il ? La terreur du soleil. Le faiseur de cadavres, comme on l'appelait. Le champion du roi Soleil dément. Ah oui, il n'y a rien que ça. S'il avait pu mourir avec son roi. Mais il dirige maintenant l'éclipse. Tu peux me croire, c'est l'homme le plus dangereux du monde. Pourquoi est-ce que l'Éclipse déterre des machines antiques ? Et comment ils les remettent en route ? Comment ils les remettent ? Je croyais qu'ils voulaient récupérer des pièces, mais au lieu de ça, ils les ont réanimées. Ils ont branché un appareil sur les cadavres pour qu'ils puissent entendre les paroles d'Hadès, et il les a ramenés d'entre les morts. Oh bordel. J'ai déjà combattu ce genre de machine. Il y en a d'autres ? Bah oui. Oui, celles que tu as combattues aujourd'hui sont les corrupteurs. Mais il y en a d'autres, bien plus grosses, équipées d'armes antiques. Oh, ils les appellent les portes-morts. Je ne les ai vues jusqu'à présent qu'enterrées. Mais après ça, tout est possible. Okay, on dirait qu'ils sont en train de rassembler une armée. Dans ce cas, le monde s'effondrera. Et j'aurai creusé sa tombe. Comment est-ce que l'Éclipse t'a recruté ? Je sais qu'ils ont pris ta famille en otage, mais pourquoi toi ? J'étais un pillard. J'allais fouiner dans les moindres recoins. J'étais doué pour ça. Ils ont dû penser que je ferais un bon éclaireur.
Okay. Un jour que je ratissais vers la fin du créateur, quand j'ai refait surface, il m'attendait. J'ai bien ri quand j'ai vu le prêtre. C'est à ce moment-là qu'il m'a montré la motivation d'Elys. J'ai vite arrêté de rire. Il m'a donné un focus pour me surveiller. J'ai suivi les ordres. Tu avais accès à Méridian. Pourquoi ne pas t'utiliser pour atteindre Avad? Je suis trop pouilleux pour avoir une audience avec le Roi Soleil incontestable, mais tout ce qu'Ersa et Eren ont pu me dire, l'éclipse l'a entendu par l'intermédiaire de mon focus. Je ne pouvais pas te prévenir. Autrement, ils auraient tué toute ma famille. L'éclipse devait me tuer parce que je ressemble à une autre femme. Plus âgée, deux fois mon âge, cheveux courts. Qui est-elle? Je ne sais pas. Mon focus a trouvé son image dans les ruines de la fin du créateur. C'est peut-être là que tu la trouveras. Okay. Tu as trouvé son image dans les ruines? Comment? J'ai vu une porte, et à côté, un dispositif ancien avec l'image de cette femme. Mon focus a enregistré l'endroit. Mais il y a un problème, c'est que... C'est vrai que oui, non, s'il est connecté, le focus... C'est ta mère. C'est moi qui pose les questions. C'est une bonne question. J'en ai assez entendu. Il est temps d'en finir. Je ne te demande pas de m'épargner. Mais si ton cœur est bon, libère ma famille. S'il te plaît. Où est-ce que je peux les trouver? Mon focus les a localisés. Il y a toujours des gardes. Mais tu devrais t'en sortir sans mal. Alors là, soit je suis un ignoble connard. C'est compliqué, ou rachète-toi. Pour le coup, j'ai envie de lui dire de se racheter parce qu'il n'avait pas le choix. Je sais que c'est compliqué, mais dans le cas tu ici... Tu vas devoir faire énormément de bien pour compenser tes crimes. Tu comptes m'épargner après ce que j'ai fait? Oui. Dégage ce focus déjà. Forge-toi une nouvelle vie, Olin. Une vie meilleure. Alors j'aurai une dette envers toi jusqu'à ma mort. Rends-toi là où ta famille est retenue prisonnière et attends-moi. Leurs vies seront les premières que tu sauveras. Je mérite pas ton indulgence, mais je mourrai pour en être toujours digne. Je t'attendrai là-bas. Est-ce que du coup les personnages... je me demande, est-ce qu'il y a un lien avec le 2? Est-ce que des personnages qu'on tue ici ne seront pas dispo dans le 2 et vice-versa? S'ils ont pensé comme ça, c'est bien foutu. Sinon, bah, c'est un peu dommage. Ok, il y a des nouvelles tâches, mais je vais pas tout faire. Alors, niveau 20, niveau 16, et les pavillons des chasseurs, on s'en fout. Annexe des riches, oui, c'est... Oh, bah, je suis pas loin. On va se le faire. Attendez, je regarde le time. Ouah, allez. Je suis à 500 mètres. Est-ce que je le fais? J'ai un peu la flemme, en fait, là. Non, là, j'ai la flemme. Je vais plutôt aller... La fin du créateur. Chercher un indice. Ok. Et aux frontières, retrouver Eren. On va aller retrouver Eren. De toute façon, j'ai des trucs à faire par les compagnies. Et en fait, on va simplement s'arrêter là-dessus. Voilà, je ferai les quêtes secondaires. Je ferai les quêtes secondaires plus tard. Je continuerai la quête principale... en vidéo, justement, autant en profiter. Je ferai d'explo plus tard. Là, j'ai envie d'un petit peu. Là, j'ai besoin de souffler, en fait, tout simplement. Et j'ai envie de me faire plaisir. En fait, sauvegarde manuel. Et on va s'arrêter là-dessus. Voilà, donc. Ça veut dire que. On a. Hadès. On n'a pas eu d'infos. J'ai pas trouvé de. De base de données parlant de ça. Si ça tombe, on peut avoir des infos un peu plus là-dessus. A mon avis, ça, il doit s'agir d'une IA. Peut-être un système de sécurité ou une IA style Skynet. Mais qui nous a aidés? Est-ce que quelqu'un d'autre a un compagnon ou est-ce que c'est une IA positive? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est la voix d'Idriss Elba. Enfin, la voix française d'Idriss Elba. Et je sais plus à quoi je pensais. Ah oui, il faudrait toujours que je trouve une deuxième batterie pour. Il faut toujours une deuxième batterie pour aller chercher la.
Dans bunker, là. Où est-ce que je pourrais trouver une batterie pour? Alors que je cogite. Et il faut aussi que je débloque des piratages supplémentaires. Il y en a trois encore. Il y a celui-ci. Celui-là. Et le dernier est... Bon, je suis pas débile, hein, j'ai quand même regardé un truc. Le corrupteur, on peut pas le prendre. Le ravageur, il faut un piratage gros. Piratage Zeta pour pirater les gueules d'orage. Or, le Zeta, c'est celui-là. C'est le plus élevé, je suppose. Donc, je sais pas pourquoi je sens le gueule d'orage en combat d'arène. Et j'ai pas vraiment envie. Même celui-là, je sais pas ce que ça va être, mais ça pue aussi. Il me faudrait une meilleure armure. Il me faudrait meilleure armure, mais meilleur stuff quand même. D'ailleurs, attendez, je vais regarder. Donc, l'arc de chasse, qu'est-ce que j'ai pour améliorer? Bah, j'ai rien. J'ai des dégâts, de la déchirure. Celui-ci, est-ce que je devrais plutôt aller sur les dégâts? Ou est-ce que la déchirure sera plus intéressante? Parce que mine de rien, la déchirure là-dessus, ça peut être bien. Donc, je pense que je vais mettre une déchirure. Et j'ai 3 points de compétence. Est-ce que je peux? Je ne peux pas encore. Il faut la bricoleuse. Donc à la place, on va d'abord faire ça. Et là, je vais re-sauvegarder. Voilà, allez, bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va se quitter, voilà. Prochain épisode, on continuera la quête, un peu les quêtes principales. Olin et Rent, on va faire Rent d'abord, puis on ira voir pour Olin. Mais on se laisse là-dessus, j'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.